Je mange japonais pendant 24 heures à Paris. Commence le petit déjeuner avec des énormes fluffy pancakes. Je les ai pris aux fruits rouges et je valide ça. C'est vraiment trop bon. On dirait que tu manges un nuage. En plus, l'endroit est vraiment sympa. On continue pour le midi. Je suis allé manger des ramen. Là, pareil, dès que tu rentres, l'ambiance elle est vraiment cool. La déco aussi. J'ai pris des gyoza aux légumes et en forme de rose. Alors pour être honnête, j'ai pas trouvé ça terrible. Et j'ai pris le ramen au porc. Alors il y a des bons ingrédients, mais c'est pas le meilleur que j'ai mangé. J'ai continué dans cet endroit trop stylé. Et j'ai commandé des sashiza. Et on m'a amené ça. J'ai pas compris le délire. J'ai cru que c'était des gâteaux apéro. C'était vraiment pas ouf. J'ai voulu tester leur sushi. Là, c'est mangue, saumon, avocat. Et pareil, super grosse déception. Du coup, pour me rattraper, je suis allé dans un sushi shop au hasard. J'ai commandé des rolls saumon, avocat, fromage. Ils étaient bien meilleurs et aussi beaucoup moins chers. En dessert, on a bien surpris des mochi. Alors, ils étaient pas glacés, pas maison non plus. Et pourtant, ils étaient vraiment pas mal. Et vous inquiétez pas, hein, y avait même mon amour avec moi.